Salut à tous et à tous, Monnaie Texar, j'espère que vous allez tous très bien les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo réaction dans laquelle on va réagir à des animations sur Shin Sonic. Alors bien sûr, pour rappel, j'ai déjà sorti une vidéo sur CVHS, donc pour ceux qui ne l'auraient pas vue, allez la voir. Et pour cette vidéo, ce sera pour réagir à la dernière vidéo de Evanimas et à d'autres animations. Donc si vous êtes prêts, on commence tout de suite. Bon, la première vidéo se nomme Chaos the Sonic Tape. Donc c'est parti. Peintre panique. Ok. Maintenant c'est Knuckles. Il est pas censé être chopé par Shin Sonic. À moins que ce soit un flashback, mais je sais pas. Ok, il y a un panneau past. Très bien. Mais que... Hein? Il s'est passé quoi? Gun report? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors Sonic est devenu beaucoup plus grand et puissant pour continuer à être caché du grand public. Ouais, bah c'est sûr que vu sa taille, enfin, de ce que j'ai vu sur la miniature, ça va être compliqué. Des répliquants de ce qui semble être Tails sont également répandus. Ah ouais, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de copies de Tails dans la vidéo de Knuckles. Cela concerne plus seulement les États-Unis. Sonic évolue rapidement et si rien n'est fait dans un certain délai, on va dire, la planète entière sera en danger. Ah ouais, là, ça craint. Sonic fait preuve d'une vitesse incroyable, même à sa taille immense. Ah ouais, même s'il est rapide en étant immense, là... Oh là, c'est la merde, hein. Wow! Et comme quoi, quand ils ont dit que, ouais, même en étant immense, il est rapide, c'était pas pour des hecks. Sonic a franchi en quelques secondes la distance depuis de quoi? D'une centaine de kilomètres qui sépare la contrée Hilltop et Station Square. Wow. Et là, ils sont dans le pétrin. En raison de sa taille et à la vitesse à laquelle il s'est déplacé, cela a créé des ondes de choc qui a dévasté tout ce qu'il trouvait sur son passage. Wow, ah ouais, et comme quoi, ça rigole pas. Il ne semble pas s'intéresser aux civils de Station Square. Ah bah, s'il s'intéresse pas aux civils, c'est quoi qui l'intéresse? Il marchait comme s'il cherchait quelque chose jusqu'à qu'il pousse un cri de mort. Wow. Ah ouais, là c'est... Là c'est plus qu'un cri, hein. Ah mais, wow. Ah ouais, Tails, j'étais pas prêt, là. Et wesh, c'est quoi ce truc? Ah vraiment, s'il y avait un monstre comme ça dans notre monde, là on serait tous morts. Vraiment, il n'y a aucun échappatoire pour nous. Et regarde sa taille, regarde sa taille. Non, il est plus grand qu'un bâtiment, non mais c'est un délire. Après avoir obtenu l'émeraude, il a disparu en un clin d'œil. L'émeraude, non mais... Un ancien collaborateur de Gunn, de Kazekine, a attiré notre attention sur une action intéressante. À un moment donné, les super émeraudes ont atteint un immense pic de puissance... Non mais t'imagines, Shin Sonic avec tout ça? Knuckles suggère pendant que Gunn s'efforce à empêcher Sonic d'acquérir plus d'émeraudes du chaos. Il reviendra à l'époque des super émeraudes. Ok, ça c'est intéressant. Il a l'intention de les utiliser pour Sonic. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais ouais. Avec la mort de Dr. Ivo Robotnik et sans les autres moyens d'arrêter une telle menace, cela semble être la meilleure option dont nous disposons. Bah oui, s'il n'y a pas de choix, bah autant tenter le tout pour le tout. Le nombre de personnes disparues dépasse depuis longtemps les milliers. Ah ouais. Sans parler du nombre incalculable de victimes causées par le simple fait qu'ils se déplacent d'un endroit à l'autre. C'est vrai que de ce côté-là, j'imagine pas les dégâts. Les enlèvements de Tails ont déjà été signalés dans d'autres pays. D'accord, mais ça veut dire quoi? La loi martiale a été déclarée dans de nombreuses régions des États-Unis. Nous craignons sur ce qu'il peut faire avec le pouvoir de ces émeraudes. Alors oui. Déjà qu'il est pété en temps normal, alors t'imagines avec les émeraudes? Que Dieu nous aide tous. Ouais, là c'est vrai que quand ça parle d'émeraudes, déjà avec ce monstre, là je sens que... Ah, c'est un appel téléphonique. Ok. D'accord, il veut retourner dans le passé pour régler les choses. Ouais, comme ça a été dit. Donc ouais, je comprends mieux pourquoi... Il y avait un panneau de Sonic CD. Bon, franchement, vidéo très flippante, il n'y a pas à dire. Mais franchement, j'ai bien kiffé. Je sais pas qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça, mais vous me direz tout ça en commentaire. Et déjà que Tails et Knuckles n'ont rien pu faire pour ça, alors t'imagines pour le reste? Et ce qui est bizarre, c'est que... Enfin, à moins que ça ait été dit, mais on sait pas trop qu'est-ce qui est arrivé à Sonic. Peut-être qu'il y a une explication, mais pour le moment, on sait pas trop comment... Sonic est devenu ce truc. À moins que ça ait été dit, je sais pas. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire. Mais bref, passons aux prochaines vidéos. Ensuite, la prochaine vidéo vient de Sonic Yash. Et la vidéo se nomme Shin Sonic vs Super Sonic. Allez, let's go. Wow. Mais n'empêche, lui, il est vraiment flippant. Ne serait-ce qu'avec sa vitesse et le reste. Et là, t'imagines pas le délire. Mais est-ce que Sonic va pouvoir réellement faire quelque chose face à ça?
Je sais pas, mais j'imagine que oui. En plus, il a toutes les émeraudes, donc ouais, ça va. Je pense qu'il peut s'en sortir, enfin, on espère. Mais quand même, c'est intriguant. Je sais pas s'il va s'en sortir, parce que quand même, ce monstre, il est puissant. Très très puissant. N'empêche, sa tête me tue. Wow. Ah ouais, là, ça commence bien. Wow. Et là, vraiment, je kiffe. Ouh, attends, il lui a cassé le poignet? Attends, j'ai pas vu. Tu vois? Oh! Bon, en même temps, c'est mérité. C'est grave mérité. Non, mais c'est trop. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Wow. Et là, vraiment, il plaisante. Hop! What? Attends, qu'est-ce qu'il a dit? Sonic a dit que notre combat pourrait causer une immense destruction et que les gens ne seront pas en sécurité. Donc ça va. Et là, il va l'amener dans un endroit comme comme Sangoku quand il se bat avec quelqu'un. Ok, bah ça va, c'est respectable. Wow. Bah tranquille. Cet endroit semble être sûr pour donner tout ce que j'ai contre ce monstre. Ok. Bah franchement, hein, déglingue-le. Fais ce que tu veux, mais déglingue-le. Je veux le voir crever. Bon, c'est peut-être malsain dit comme ça, mais... Wow. Là. Oh ouais. Et là, vraiment, il plaisante pas. Et est-ce que ça va... Ça l'a vraiment fait des dégâts? Ou alors... Oh. Wow. Oh, comment il a calmé. C'est ce que tu mérites pour les actes d'une autre version de moi. En gros, il a dit ça, ouais. Mais est-ce que ça... Ça suffit, ça je sais pas. Quoi? C'est une blague? Il me dit pas que là il va vraiment galérer. Parce que là il partait bien. Là je... Comment? Non mais vraiment c'est... Ah lui il fait peur avec son sourire. Vraiment c'est mal. Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi? Oh non, donc j'ai bien entendu. J'ai pas halluciné quand ça dit Final Form. Mais non, mais... C'est quoi cette forme en plus? Mais... Voilà. Là, je sens que ça va être galère. Bon, j'espère qu'il va gagner, mais bon. Après, je sais qu'il y a deux vidéos sur Shin Sonic contre Sonic, mais on verra ça après. Parce qu'après, je sais pas s'il y a une grande différence, mais je pense que oui, hein. Mais je te jure, quand j'ai entendu qu'il y avait une forme finale ou je sais pas quoi, là, vraiment... Je te jure, j'étais pas bien pour lui. Enfin, pour Sonic. J'espère quand même qu'il va s'en sortir. Wow. Là, faut vraiment pas se gêner, hein. Vraiment, faut y aller fort. Quitte à le tuer, faut y aller direct. Vraiment, faut y aller très très fort. Attends. Ah, c'est pas tiré de Sonic Frontiers? Enfin, pour un DLC? Si c'est ça, bah, j'espère qu'il peut... qui peut s'en sortir. Why did you stop? What? Attends, il peut parler? Juste une question, pourquoi tu tues tout le monde? Bonne question ça. Ils ont l'air délicieux sur toute Taze. Ah ouais le bâtard. Tu as été rapide mais pas assez pour les sauver. Ah ouais, là vraiment. C'est un enfoiré. Ah vraiment. Wow. Rien que quand il a dit ça, c'était le mot de trop là. C'était la chose qu'il fallait pas dire. Non mais wow. Là, vraiment, il se donne à fond. Bon, normal, tu me diras, mais bon. Là, vraiment, j'espère que ça va... Wow. Ça va mener à quelque chose, parce que ce serait con. Que ça ne marche pas. Après, la question, c'est que... Est-ce qu'il a réussi à le tuer? Ça, je sais pas. C'est un écran. Ouais! Let's go! Bon, pour celui-là, j'ai regardé, c'est la même animation, mais avec quelques différences. Enfin, quelques différences. C'est marqué Undefeatable, donc vous savez ce que ça veut dire. Mais bon, de manière générale, l'animation, c'est. Bah, c'est quasi la même. Next animation, sneak peek. Ok. Franchement, l'animation, elle est. Bah, elle est bien. N'empêche, ça, c'est incroyable, hein. Surtout que ça colle bien avec Sonic Frontiers, puisque Sonic, il affronte des géants. Donc forcément. Mais bon, si on est objectif, est-ce que pour vous, dites-moi en commentaire, Sonic serait réellement capable de battre Shin Sonic? Bien sûr, débattez dans le respect, sans trash talk bien sûr. Ensuite, la prochaine et dernière vidéo, c'est sur Shin Sonic Tape versus Five Nights at Freddy's Curved Head. Donc c'est parti. Je suis tombé là-dessus par hasard et ça m'avait... m'intrigué. Bon après, ça a l'air d'être une animation type pour enfants. Enfin, pour enfants, t'as compris. Une animation du genre qui s'adresse au grand public. Mais bon.
N'empêche, ça a l'air bien. Là, on a vu un... Enfin, un Amy et un Knuckles, là, qui... Qui est très, très, très flippant. Wow. Là, vraiment, c'est... C'est spécial, hein. Très, très spécial. N'empêche. Wow. Là, vraiment, ça commence fort. Ah ouais. Et là, vraiment, ils ont une force... Oh, la gueule de Amy. Attends. Oh, la tête. Ah, vraiment, c'est trop... Et le pauvre Freddy, il se mange une hagla monumentale. Mais bon. Et là, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il va faire, Knuckles? Wow. Là, je sens que... Il va faire une connerie, je sais pas quoi, mais... Ah ouais, en plus, il est toute fine. Et c'est... Wow. Et c'est une vraie religieuse. Là, il y a Bonnie et Chica. Bon. Je sais pas si eux vont s'en sortir, mais... On verra, hein. Chou-chou. Ok, il y a Shin Sonic. Je sais pas pourquoi, mais je sens que... Ils vont se faire marrable. Enfin, peut-être pas, mais... Wow. Alors, vraiment, ça commence fort. Non, mais c'est... Non, mais vraiment. L'autre, il balance des haches, alors que je suis pas sûr que... Ça puisse faire quoi que ce soit contre lui. Mais bon, pourquoi pas, hein. Ah, quand même. Là, ils se font bien déglinguer. Bon, pour Chica, je sais pas si ce sera le cas, mais... Non mais comment il est moche. C'est quoi ça? Mais vraiment. Non mais vraiment, c'est quoi ça? C'est quoi cette animation? Bon, je sais pas si elle va se faire déglinguer ou pas. Ah ouais. Ah là vraiment, elle s'est pas laissée faire. Ah quand même, ça doit... Ça doit faire mal, hein. C'est quoi ça? C'est Springtrap? Mais Springtrap avec des dents partout. D'accord, c'est Springtrap contre Tails. Je sais pas ce que ça va donner, mais... J'entends pas très bien ce qu'il dit, le frérot. Ouais, j'entends pas avec la musique. Mais bon, tant pis. N'empêche, Tails... Là, il fait peur. Wow. Limite, il pourrait faire un FNAF avec Sonic. Enfin, avec des persos de Sonic, ça passerait crème, hein. Wow. Oh, mais comment ça se tape, ça m'extermine. Eh, c'est n'importe quoi. Wow. Wow. En fait, ce qui me tue, c'est la violence qu'il y a derrière. Tu sens que ça cogne fort et que ça plaisante pas du tout. Oula, je sens que ça va. Wow. Et là, il a pas eu de pitié. Bon, je sais pas qu'est-ce que vous avez pensé de ces animations, mais dites-moi tout ça en commentaire. Et en ce qui concerne Cars, la première vidéo, franchement, c'était super intéressant. Et j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Et en plus, je pense que c'est la vidéo qui a le mieux fonctionné. Elle a fait presque 7 millions de vues. C'est énorme. Pourquoi je me suis pas abonné? Voilà. Attends, voilà, nickel. Je rappelle que les vidéos d'origine, dont je réagis, se trouvent en description, ainsi que les chaînes. Donc bon, nous en tout cas, on va s'arrêter là. Bon, si la vidéo t'a plu, tu likes, tu commentes, tu partages et tu t'abonnes. Tu peux aussi me rejoindre sur les réseaux, je te mets tout ça dans la description de cette vidéo. Et sur ce, je vous laisse, je vous dis, portez-vous bien, à la prochaine tout le monde, c'était Texar et ciao.